pour un cap dominé actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, journal américain de New York Times, sorti jeudi à un article côté le fait révélation qui gagne surtout pour un rapport ancien président Michel Martelly à conseil présidentiel transition ta gagné sous son gang. Aéroport Toussaint Louverture l'ouvri pendant gagné une délégation pays Kenya qui arrivait en Haïti quelques jours avant arriver un groupe 200 policiers pays Kenya. Les États-Unis condamnés à toute force li requête coup pénal international la CPI qui m'a demandé mandat d'arrêt contre quelques autorités israéliennes parmi eux, premier ministre Benjamin Netanyahu et principal leader Hamas. Et puis pays Iran décrété 5 jours d'œil pour rendre un dernier hommage par président Ibrahim Raisi qui était mort dimanche qui s'est passé là dans un accident hélicoptère. Et c'est pour ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour dans un type. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui côté, ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. Déjà nous vous bienvenue sur la nouvelle vidéo d'information que nous portez pour vous aujourd'hui à la côté nous rentrer la caillou avec édition La Voix de l'Amérique. Ça parmi quelques autres grands pour dominer l'actualité, n'a pas qu'on les actes violence que ministère éducation nationale suspend a permis plusieurs responsables dans l'école Georges Saint-Ville Saint dans Saint-Marc après ça qui même yo t'a fait sous étudiant ça dans jour qui s'est passé là conseil là dit déjà metté 1 milliard de gouttes disponible pour nettoyer Port-au-Prince qui j'en nous même nous déjà connaît là mes amis m'a regardé quelques matériel qui rentre là et ben est-ce que c'est vrai ça Louis Volte lui même Lydia nous pour connait et l'autre côté tout n'a faut connait dans dossier qui gain pour avec dossier président Kenya lui-même qui trouve le dans pays États-Unis et bien un gros parlant pile qu'a fait là Guatemala fait face avec une situation compliquée avec 75 gros défis qui ta actif dans pays ici là pour moment ça aurait été branché pour tout détail ça yo Saint-Marc nous va aller tout dans dossier sanction qui tombé sous tout nèg ça qui t'a maltraité élève l'école là pour ça plaisir l'autre nous porter pour dans édition La Voix de l'Amérique ça mais avant même nous entrer dans vidéo ça pas oublier abonnez-vous avec channel là pas oublier activer la cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucun vidéo pas oublier quitter un like sur vidéo partager avec vos amis vos familles une façon pour aider nous grandir communauté channel là nous pas prêter trop n'a pas directement dans VOA et n'a commencé avec actualité à concernant pays d'Haïti un ben ancien président Michel Martelly qui t'a fait pression pour influencer composition gouvernement intérimaire et puis mander amnistie pour gangue c'est ça journal New York Times révélé dans un article qui sorti jeudi mardi 21 mai Luxon Saint-Ville télé article ça pour nous. C'est un article journaliste Maria Habib écrit pour journal New York Times pour montrer comment gangue en Haïti a renforcé tête pendant troupe Kenya a paré pour rentrer en Haïti. Journal là montrer comment bandits en Haïti mélanger question zam avec trafic drogue pour capable faire plus l'argent pour capable river faire article ça journal là parler avec diverses sources en Haïti et à l'étranger il aborde divers sujets et citer non plusieurs monde parmi eux Michel Martelly et Dimitri Erard. Si longtemps gang yo te dépend des élites politiques et économiques pour faire l'argent, New York Times dit qu'il y a certains là-dedans yo gain indépendance financière yo. Journal là qui cite quelques responsables haïtiens fait qu'on est depuis mois février gang yo vinn gain un paquet de gros armes automatiques que peut-être yo volé pour l'armée qui dans région avec l'autre moyen encore. Dans tout bandit qui fait partie fédération ça qui relève ensemble là, média américain cité Johnson André alias Izo qui considéré comme plus gros trafiquant cocaïne pays a connaît actuellement. Chef base 5 secondes là d'après ça qui dit dans article là, qu'on voyait un bon parti dans produit lié directement en Europe, c'est ça plusieurs diplomates du New York Times. Journal a parlé de dernière évasion qui était faite dans pénitencier national là. Côté plus passé 4000 prisonniers étaient sauvés parmi eux ancien responsable USGPN Dimitri Erard qui était en prison dans cas d'enquête sous la mort Jovenel Moïse là. Dimitri a pédé actuellement gang Isoa organisé la bail au conseil et lui-même possible pour mettre en connexion à plus gros organisation criminelle dans la région hein, parmi eux divers cartels drogue. C'est ça un haut responsable renseignement régional avec des diplomates occidentaux dix médias américains. Dimitri Erard qui était cité en 2015 dans dossier cargo MV Manzanares qui était accosté dans Port-au-Prince avec plus passé 1000 kg cocaïne et héroïne qui était caché dans plusieurs sacs sucre, était chef USGPN sous Michel Martelly qui lui-même tout accusé comme monde qui gagne liaison à gang en Haïti. Pendant la parler de dossier ça, New York Times rapporté tout ancien président haïtien a fait pression sur dirigeant politique qui impliqué dans négociation yo pour essayer influencer composition gouvernement intérimaire. New York Times qui parlait avec divers responsables politiques fait qu'on est allié Martelly au conseil présidentiel transition hein, lancé une proposition pour demander amnistie pour gang yo et même peut-être pour ancien fonctionnaire l'état qui t'a gagné accusation corruption sous doyo yo une série accusation chantait suite mais qui a voyagé était bien loin. Michel Martelly dit journal américain il pas fait aucune pression sous conseil là il pas jamais en relation à gang et il pas jamais parlé des questions amnistie pour pièce monde pour lui-même
accusation ça yo politiquement motivé. Gang haïtien yo a renforcé tête yo pendant force multinationale la parel pour débarquer en Haïti, c'est titre article ça qui déjà commencé provoquer en pile commentaire sur réseaux sociaux yo. Effectivement, il y a pile réaction qui sortit sur réseaux sociaux mais nous t'ai essayé entrer en contact avec un membre conseil présidentiel transition hein, et pour nous t'ai capable gain position institution sur question ça sur article New York Times hein, mais malheureusement nous et pas joigné bien que nous quitter un message pour lui. Et puis l'autre point dans actualité concernant pays d'Haïti, gain aéroport tout seul ouverture là qui relouvri pendant tout c'est dans même moment ça tout gain délégation pays Kenya qui arrivait dans pays d'Haïti, nous gain sur place Yves Manuel. Sunrise Airways effectue premier vol dans l'aéroport international Tosel Vertu, semaine ça, en provenance de Miami, pour ça qui marque une étape importante après fermeture aéroport, fermeture qui était due à cause bandits armés de attaquer installation aéroportuaire dans la date 4 mars qui s'est passé là. Vol ça, qui c'est un Boeing, World Atlantic, qui a aboli 160 passagers, parmi eux anciens sénateurs, hommes d'affaires avec divers professionnels. Pendant qu'ils arrivaient dans l'aéroport, passagers étaient bien accueillis, bon côté unité coordination avec protocole institution. Une délégation ambassade américaine qui est en tête li Denise Hansking qui est accompagné directeur général ANA Yves Ducamel François qui répond présent sous tamac là. Diverses unités police nationale d'Haïti ont assuré sécurité personnalité sa yo. Dans même journée hein, Sunrise Airways effectué vol domestique à destination Cap-Haïtien à Kay. Un vol militaire est également observé sous tamac aéroport. Parallèlement, administration a fonctionné normalement sous garde militaire et agent police nationale d'Haïti. Nous apprenons tout, une délégation kenyane arrivée dans Port-au-Prince pendant journée lundi. Délégation ça a dû rester dans le pays pendant toute semaine et a bien pour rencontrer divers officiels haïtiens. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis toujours sous réouverture aéroport international, nous parlons au jeune Sandra Le Maire qui gagne l'autre information sous dossier. Le principal aéroport international pays d'Haïti a rouvert lundi pour première fois depuis presque trois mois après acte violence gang yo te forcé autorité femelle. Réouverture aéroport ou sans ouverture là dans Port-au-Prince pour soulager un raté critique médicament avec l'autre produit première nécessité. Rosemont Désir t'est accompagné aux familles qui t'a voyagé. Il y a des milliers de monde là surtout qui besoin voyager pendant un certain temps et qui va voyager. Et matin ça là qui va aller me mettre là. Et mes gars pile dans ce fond, c'est parce que nous besoin ça c'est parce que nous avons depuis la tombe. Normile Madeleine t'est gain billet pour voyager tout. Oh ça on est content, c'est tout que nous ouvri. Et nous bon Dieu merci parce que pour autorité qui mettait travail ça juste pour faire avion voler jeudi en capacité là ça que m'balle prendre sur caplan nous dit merci nous dit continuer à travailler que bon Dieu bénisse. Ligne aérienne américaine n'a pas commencé à utiliser aéroport pas avant fin mois de mai ou bien commencement mois de juin. Premier vol commercial qui était fait depuis mois de mars là t'est quitté Port-au-Prince pour aller Miami avec un retard presque 2 heures de temps. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. N'a pas toujours dans actualité à concernant pays d'Haïti n'a parlé politique conseil présidentiel transition annoncé li pral dépenser pour pupiti 1 milliard goud dans cadre programme assainissement dans différentes zones métropolitaines dans capitale là nous allons rejoindre Renato Saint. Dans moment conseil présidentiel transition annoncé li pral dépenser pour pupiti 1 milliard goud dans assainissement au niveau zone métropolitaine Port-au-Prince certains secteurs politiques mandé pour dissoudre structure ça yo estimé ki pap chanm ka organiser élection générale dans pays. Ancien député Serge Jean-Louis, qui est leader Front National pour Démocratie, FND, dit expérience collégiale là, pas jamais porté résultat positif. Regardez, ou identifiez, si vous voulez, aucune grande décision politique qui posait dans nos conseils là. Taka! Baïmoun l'espoir, le conseil ça va faire le contraire de ça nous-mêmes dans FND, vous pensez, de ça nous-mêmes dans bureau politique au bureau là mais là nous te penser défendre pendant plusieurs fois dans différentes conférences de presse non bail on fait des négociations sur le rôle joué par la Cour de cassation et la Cour dit la Cour de cassation est une référence positive pour qui ça c'est pas la Cour de cassation on fait ça et jusqu'on en a parlé là on dit là pas gain aucune action et il opposé qui t'a changer opinion donc pour nous mêmes du pouvoir de la mairie donc pas changer opinion donc continuer croire conseil présidentiel ça n'est pas capable de résultat parce que collège système collégial en Haïti pas jambalé ça. Semaine passée, conseil présidentiel transition t'a adressé une correspondance by président pays Kenya William Ruto pour renouveler demande envoi mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Conseil présidentiel transition a travaillé pour Kenya sous base choix un nouveau premier ministre qui a gain pour diriger
Transition démocratique, là. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Effectivement, conseil présidentiel transition a travaillé là. Qu'on y a sous un paquet de dossiers pour qu'on capable choisir un premier ministre pour qu'il dirige transition. C'est comme ça, tout y a une organisation femme qui appuie candidature Madame Marie-Denise Claude pour poste premier ministre là. Mandé conseil présidentiel là, c'est une femme pour qu'il dirige et gouvernement. Détail avec Massado Vilmé. C'est réseau pluriel femmes politiques haïtiennes, une structure qui regroupe plusieurs organisations femmes dans la vie nationale pays, qui m'a dit conseil présidentiel transition pour appliquer article 17-1 moment loi pays dans le choix à faire pour poste premier ministre là. Moseline Pierre-Louis, c'est responsable de ceci là. C'est respecter tout accord, la convention, l'État haïtien, d'essayer pour que les femmes, tout côté, décision à prendre dans la plus grande instance pays d'Haïti. Pour toutes les gens, ça y est, l'autre encore, n'a pas Marie-Denise Claude. Mesdames, qui fait choix ancien candidat Maléry pour poste sénatorial l'a dit, Madame Denise répond à tous les critères pour c'est lui-même qui chef de Matia. Marie-Denise Claude toujours respecte l'engagement lié à l'explication de la loi. C'est une femme qui gagne oui et non. Marie-Denise Claude qui sortit dans la troisième circonscription Port-au-Prince, déjà tant mieux, c'est lié réflexion sur le dossier insécurité. Il déjà paré pour la bataille bon gens. Pour commencer, bon gens, Chita parler. Parce que ils comprennent bien que le problème de sécurité, c'est un dossier transversal côté tout le monde. Tout secteur doit jouer un rôle par eux. Avec Marie-Denise Claude, conseiller présidentiel, a bien une bonne collaboration qui pas en aucun mauvais dossier. Présidentiel transition, lui, Gérald Gilles, fait qu'on n'est pas trop longtemps. Population apprend qui monde qu'à premier ministre, pendant le présenté principal chantier, nouveau premier ministre, après pour travail sur Rio. 25, 26, 27 mai, faut que conseil présidentiel là, nommé, choisi, nous sept qui t'a voté pour nous choisir au premier ministre. Chantier à clair. Chantier là, c'est une bataille pour nous mettre en sécurité. Chantier là, c'est pour nous bataille pour nous apaiser la souffrance population. Chantier là, c'est à retirer les gens qui ont appris provisoire. Vous pouvez nous comprendre. Chantier à tout. C'est pour nous louer comment nous avons fait un bon champ d'élection. Toutefois, c'est plus passé 200 personnalités qui posaient candidature pour une premier ministre pour voir transition. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Creole. Actualité à mener nous connaît dans la ville Okaï, dans le département sud pays, à côté avocat Barreau Vilsa, organisé diverses activités lundi 20 mai 2024. Là, il y a une façon pour commémorer fête Saint-Yves qui c'est avocat, qui c'est patron avocat. Nous sommes sur place Jean-Ernst Eliscar. Engagement université dans temps crise. C'est sous thème ça, mouvement étudiant parti engagé pour développement aidé, te réalisé une conférence débat dans ville Okaï, une façon pour te commémorer fête drapeau à université 18 mai 2024 là. Précision coordonnateur national mouvement étudiant aidé solitaire Dave Witzlaw. Bon, nous te gardé engagement université en temps de crise. Donc la donne, il y a une question posée, c'est sur la question de la bonne gouvernance, nous gardons la question de l'éducation, puis l'autre thématique. Nous déchirons à parler sur l'importance du drapeau. D'abord, nous gardons le drapeau comme symbole patria, nous gardons le drapeau comme souveraineté et nation. Donc, il est plus que important pour activer ça, pour faire à répétition dans toute notre ville, pour arriver à conscientiser les étudiants sur la prise de conscience de gagner envers le drapeau. Oui, son réussite, surtout en termes d'effectifs, nous avons plus que 500 personnes qui mobilisaient jeunes étudiants, qui mobilisaient étudiants et élèves filo tout. Donc, c'est une satisfaction. Pour fêter fête drapeau, plus passer une trentaine l'école, te défilé dans la rue Okaï. Cependant, coordonnateur activité ça, France Arthur Mauvais, critique autorité dans l'État, lui dit qu'il n'y a pas de participation. Et mais ça, là, regardez là, nous n'avons pas de participation. Aucun monde là-dedans. C'est seulement le secteur privé à Okaï. L'État n'a pas dit un mot. Personne dans l'État. Oh, l'État ou l'État pour organiser fête drapeau. Imaginez tout le monde qui va manger pour eux. Après défilé, et maintenant, c'est ça. L'État n'a pas dit rien avec nous. C'est nous-mêmes, c'est le secteur privé. C'est Fondation Gascon Clergé qui va nous bouter. C'est Samuel. Et qui là, c'est Mena et c'est Harold Inibank, c'est Mounsa aujourd'hui là, qui va nous coûter main pour nous faire ça ou n'a fait là. C'est Etsek et c'est collègue Bethesda, c'est tout le monde qui dit ça n'a fait à bon pour le pays. Ils ont aidé nous pour nous faire ça. En rassemblé en bas drapeau, c'est sous thème ça, fête drapeau à l'université te déroulé dans le pays d'Haïti, 18 mai 2024 là. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okaï. Nous parlons qu'on y a en République dominicaine, côté yon jour après, li fin réélu comme président République dominicaine, Luis Abinader, parlait de crise Haïtia avec réforme fiscale que le prévoit et prend pendant le nouveau mandat là. Détail avec Gentil Augustin Junior.
Président élu République Dominicaine Luis Abinader dit à hier lundi 20 mai 2024 là, li pral rencontrer ak leader opposition an pour discuter sur réforme fiscale possible et li té profiter parler tout sur crise Haïti. La situation d'Haïti a hecho que se hayan disminuido las exportaciones. Situation en Haïti a té traîné importation an nan yon diminution parce que c'est un pays qui nan crise et importation yo té descend peut-être à 15%. Moi pas trop rappeler m kounya. Moi pense que ça pral normal et puis troupe Kenya yo qui pral venir an, c'est pral commencement. Un jour après yo té rayé l'île pour yon deuxième mandat, Abinader te dit crise violence qui a frappé voisin Haïti diminuer importation yo. Cependant, li espéré que troupe Kenya k'ap vini pour pacifier pays a pral porter résultat et li té continuer pour le dit. Nous estamos en coordinación con nous ap coordonner ak pays qui impliqué dans sécurité en Haïti yo. Les forces Kenya arrivé, nous doué konnen ki conséquences li pral gagner. Moi capable di nou que toute mécanisme sécurité ak force l'armée dans pays a konnen quel que soit risque ou soit nouveau action. Moi pas ka di trop, mais nous gen connaissance, information ak intelligence pour préparer nous pour n'importe sa kap rive. Nan titan pale sa, président te di li pral rencontrer leader opposition an pour travailler sur réforme taxe nan peyil et li annonce nouveau plan li genyen pour 4 l'année li pral passer sous pouvoir. Y quiero decir que esta conversación mwen vle di nan conversation sa, nou pral approcher leader opposition an, men tout toute société dominicaine. Sa vle di nou pral intégrer toute société dominicaine. C'est youn nan sujet que nou pral discuter. Réforme fiscale, m'a répété, qui concerne réforme fiscale, men tout réforme dépenses publiques. Li té ajouté. Claro que tenemos un plan. Nosotros tenemos un plan. Oui, nous gagnons un plan. Nous gagnons depuis là nous rivé dans gouvernement. Et puis c'est un plan pour 4 l'année pour améliorer éducation nous en, aide principale pour santé, côté yo besoin plus ressources pour continuer à réforme la police là qui té fait progrès. Abinader té dit que réforme nan ta gen là-dedans, ajustement taxes ak dépenses publiques. Et puis li pap mette en danger croissance économique République Dominicaine pendant y a chercher protéger moun ki pi vulnérable dans pays a. Cependant, li té averti que proposition l'IA ta gen en pile chance pour entrer en vigueur à quelques changements. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou sou VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtien, rete branché. Pour s'équiter au campé pour jusqu'à semaine prochaine, dans le cas contre Donald Trump, là, hier lundi, dans le jugement criminel, là, contre ancien président. Témoignage Michael Cohen, arrivé fini hier lundi 20 mai. Et puis, quand nous prenons dans New York, côté procès historique, l'ancien président Donald Trump a tapé de l'élection à Gonpose, mais il a continué. Mais il y a une pire sensation que le procès a provoqué. Nous sommes sur place, Valérie Saint-Louis. Pour s'équiter au campé pour jusqu'à semaine prochaine, dans le cas contre Donald Trump, hier lundi, dans le jugement criminel, là, contre l'ancien président. Témoignage Michael Cohen est arrivé fini hier lundi 20 mai après 4 jours et 17 temps comme dernier témoin dans le dossier la justice là qui accusait Donald Trump que il t'ait falsifié dossier business li, l'elle t'ait remboursé Michael Cohen l'argent pour t'ait payé actrice film porno Stormy Daniels là pour le pas parler. Michael Cohen t'ait reconnaît qu'il t'ait commis un crime, il t'ait raconté témoigner en détail que Donald Trump t'ait promis lui pour le rembourser l'argent, il t'ait bail pour Stormy Daniels fermer bouche pas parler de relations sexuelles avec ancien président. Avocat Donald Trump a accusé Michael Cohen comme un gros menteur qui bail en pile menti. Avocat défense là, Todd Blanche, t'a posé la question pendant plusieurs heures de temps. Il t'est concentré sur mauvais actes, monsieur, une façon pour le faiblir témoignage li. Défense là t'a fait valoir que Donald Trump t'a protégé famille contre faux réclamations qui t'a fait yo. Il t'a essayé discréditer Michael Cohen, ça qui t'a déterminant pour sortir Donald Trump là devant la justice. Mais il n'y a pas de printemps après que défense t'a commencé car hier lundi pour bagaille t'a commencé chauffer dans le tribunal là. Juge Juan Merchant t'a baillé témoin pour défense là, Robert Castello avertissement et puis t'a menacé pour le faire descendre sur extrait tribunal là après que t'étendait le cap complaine. Les juges là t'a soutenu objection contre question que t'a posé lui. Juge Merchant t'a même demandé pour la pression sorti quitter sale tribunal là, il dit après que le réprimandé témoin Robert Castello. C'était un petit moment de discussion sans attendre qui t'a fait dans le tribunal là pour un jugement qui pas loin fini. Pendant que avocat défense ensemble gagne en pile chance pour boucler dossier li jodi madi a, juge Merchant lui-même te dit que le planifié pour tendre argument final de parti yo mardi prochain en date 28 mai parce que le pensé bay membre jury yo un week-end pour 4 jours pour les lita capare pour faire délibération verdict li jour réouverti tribunal là après jour congé qui c'est jour mémorial là ici aux États-Unis. Quel que soit temps repos qui t'apprend pour ces criminels contre Donald Trump là tout près fin li avec à peu près une semaine pour que décision finale là tombe dans main membre jury yo mais pour 19e journée dans tribunal là en résumé pour qui réo qui sorti dans bureau avocat district Manhattan là t'est ajourné car hier lundi après-midi après que t'ai relé 20 témoins pendant 15 jours
Parmi eux, Michael Cohen, vedette film porno à Stormy Daniels, ancien aide assistant Donald Trump, Hope Hicks, avec ancien publicateur journal National Enquirer, David Pecker. Et comme d'habitude, Donald Trump, ancien président américain, pendant jugement, toujours font-il parler avec la presse. Lydie. C'est tout le monde qui a dit pas gain aucun crime, pas gain aucun crime, c'est un tribunal tête chat. Moi pas jamais moi bagaille comme ça. New York vraiment a fait jugement pour peut-être parler. Le monde entier a regardé pour ça qui a passé. Et puis on pas qu'à utiliser un juge qui gain conflit. Ça c'est un juge qui gain en pile conflit. Ça t'a donné une décision qui facile et moi pensais que le ta bon pour juge Merchant lui-même diriger jugement derrière bureau lui et puis suspend avec persécution ça yo. Avocat défense de la Trump suspend cas dans procès criminel là jodi madia sans que ancien président lui-même pas témoigner et juge la prévoit délibération jury en ta ca commencer semaine prochaine. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Yon l'autre point qui a dominé actualité à ces mandat d'arrêt tribunal pénal international là, vous voyez compté responsable dans pays Israël et puis Condamas et fondi que accusé ou pas bien recevoir et dossier ça ou bien plainte ça et Jean-Robert Philippe et yon nan pays qui fâché en pile c'est les États-Unis, Washington mauvais concon pour et question mandat d'arrêt ça. Oui, effectivement, c'est d'accord que c'était pour les États-Unis, même mandat ça a été sorti. En tout cas, le problème qui est qu'on a sur le dossier, ça, c'est l'application. C'est qui gens que qui pays ou bien qui est-ce qui va le mettre en application pour l'exécuter mandat ça que lancé contre d'abord deux autorités israéliennes avec trois militants Hamas. Donc c'est une question que ça a posé qu'on y a là, mais en principe, et même Palestine, même tout. Il n'y a pas la même façon que le tribunal a lancé mandat, surtout contre militants et contre le gouvernement israélien. Today, that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes. Procureur tribunal pénal international là, Karim Khan, déclaré qu'il y a assez preuves après 7 mois d'enquête pour lancer mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant pour crime de guerre qu'il commet dans le territoire Gaza. Tribunal là, lancé mandat d'arrêt tout contre 3 leaders groupes militants Hamas avec l'autre groupe pour crime qu'il commet contre civils israéliens pendant l'attaque 7 octobre passé. Le président américain Joe Biden n'a pas perdu de temps pour le défendre avec toute force le mandat pour arrêter les leaders israéliens. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. En clair, nous rejetons le mandat pour arrêter les leaders israéliens, quelle que soit la signification du mandat, ça n'a aucun équivalence entre Israël et Hamas. Dit clair, Israël veut faire tout ça capable pour assurer la protection civile. En clair, sur ça. Contrairement avec l'accusation du tribunal de justice international l'affaire contre Israël, ça n'a pas passé à ce génocide. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan. Pour lui, c'est Benjamin Netanyahu qui a considéré l'accusation comme une absurdité. Mon rejeté avec des goûts, comparaison pour que le tribunal l'a fait entre Israël démocratique avec groupe assassin Hamas là, c'est une distorsion complète réalité. We are against this decision because they have equated. Plusieurs Palestiniens qui ont vu dans le territoire Gaza déclaré yo contre décision à cause yo mettez victimes yo dans même niveau avec exécutant yo. Nous gain droit pour nous gagner un territoire. Qui j'ai un monde cap résister et cap prendre libération territoire tourner un criminel et puis criminel yo même beaucoup de pas yo yo tourner protecteur. وانا استطيع ان اقول رغم الاثمان الباهظه سام كباب دي مالغري كوبيت اكو بي باليسينيان نان غازا ابي انتيتي زيونيسلان échoué, le pas atteint objectif militaire stratégique. L'idée républicaine avec démocratie dans le Congrès a condamné le mandat d'arrêt tribunal criminel international. L'idée majorité démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, qualifié décision tribunal là comme une honte. L'idée minorité républicaine dans le Sénat, Mitch McConnell, déclaré décision a montré qui j'en membre tribunal là, c'est un bande kangourou voyou. Sénateur indépendant Bernie Sanders publie une déclaration pour supporter décision tribunal là. Là, le fait qu'on ait l'impératif pour la communauté internationale là faire respecter la loi internationale. Israël, à les principales lits, États-Unis, ensemble avec la Chine et la Russie, pas membre tribunal pénal international. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous parlons d'un pays Iran qu'on y a côté autorité ont décrété 5 jours de deuil national pendant qu'ils ont commencé un dernier hommage par le président Ibrahim Raisi. Vraiment vrai, c'est plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens qui étaient descendus dans la rue dans le moment où ils ont transporté ce qu'est le président avec le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullah avec 7 autres personnalités qui périt dans l'accident d'hélicoptère ça qui arrivait dimanche qui s'est passé là à cause d'un brouillard dans une zone reculée dans le pays Iran. 8 ce qu'ils ont été enveloppés avec drapeau iranien et nous capables qui gagne un pile fleur sous yo. Et puis, la mort du président ouvert une période d'incertitude politique dans le pays Iran avant déroulement d'un présidentiel qui pourrait remplacer
passer et présidentiel qui a déroulé dans date 28 juin qui vient là. Funérailles qui gagne pour bout jeudi qui vient là commencé depuis jeudi madi à Tabriz, une grosse ville et qui dans nord-ouest tout près côté accident arrivé. C'est qu'ayo transféré dans ville Téhéran avant l'arrivée dans Qom, une ville sainte. Enterrement gagne pour continuer dans Téhéran côté guide suprême nan Ali Khamenei avec président cérémonie prière d'adieu demain mercredi qui déclaré férié. Et il faut dire que l'enterrement est pour continuer dans le terrain de la deal et plusieurs pays étrangers, parmi eux la Russie, la Turquie, l'Irak, et bien ils ont annoncé qu'il y a présent dans le funérail là, mais pas au niveau chef d'État. Président Raisi est pour enterrer dans la ville natale Machad, ville côté que l'été prend naissance et réaction continue à sortir à travers le monde sous accident ça qui arrivait dimanche qui s'est passé là. Nous pratiquement arrivé dans le programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci pour l'attention. L'autre information que nous portons pour vous, eh bien, nous allons directement dans le dossier conseil présidentiel transition malgré vous, Kounia, eh bien, dans les monités que c'est journal pays, il y a beaucoup de gens qui ont publié qu'est-ce qui président conseil là continue, mais vous même, vous déjà dans le projet. Conseil là, mettez des yon milliards de gouttes disponibles pour capable nettoyer capital là, qui c'est Port-au-Prince. Conseil présidentiel transition annoncé sur compte X, lundi qui était 20 mai 2024 là, qui gagne un projet nettoyage avec propre dans zone là, capital là ensemble avec la zone qui entoure le projet ça lui même li pral côté yon milliard de goud architecte Leslie Voltaire pardon qui c'est membre conseil là lui même li te parler pour faire qu'on ait gagné une rencontre qui fait avec une délégation magistrat dans zone Port-au-Prince ensemble avec directeur général la service national la gestion qui c'est résidi solida et bien lui même campagne assainissement ça lui même li pral chita et puis bail importance avec route qui dans mauvais état yo et bien ça qui pral permettre yo arriver identifier problème yo pendant yo même y a ciblé qui travail qui efficace qui yo même yo pral faire en plus ce projet ça lui même li pral coûter au moins 5 ans conséquences positives pour population en tant que protection santé habitants dans la capitale la contre propagation microbe avec moustique capoté maladie à cause pile fatra qui sur route réduction risque avec prévention désastre contre saison cyclone les mêmes cap vini là dans moins ça passé un mois et bien encourager nettoyage avec propreté la rue Port-au-Prince créer 2500 travail direct avec environ 1000 travail pour 10000 travail indirect dans l'idée pour créer un climat politique favorable pour prendre charge administration publique ensemble avec un nouveau gouvernement côté choix premier ministre là les mêmes la fête pour Weli là pour finir n'a rappelé au président conseil présidentiel transition fait qu'on est 18 mai qui s'est passé là pas gain aucun territoire qui perdit et bien ça qui va expliquer l'état paré pour reprendre espace côté bandi examen yo même y a simé la troublage sous population bien longtemps pourquoi il est là et bien si capable quoi Edgar les blancs et bien nous pral récupérer tout territoire qui était perdu yo de l'autre côté zak violence ministère éducation nationale suspend permis plusieurs responsables dans l'école Joy Sylvain dans ville Saint-Marc dans un communiqué pour la presse ministère éducation nationale là ak formation professionnelle là annoncé que les suspend permis pour diriger n'a parlé de Clermont Geoffroy Lanier qui c'est directeur administratif institution Georges Sylvain et bien qui était dans Fresino dans ville Saint-Marc après violence grave li te fait sur un élève dans l'école ça ministère éducation nationale suspend tout permis pour diriger Félix Estimé lui-même qui c'est directeur principal là l'école là et bien d'après communiqué ça ministère a fait qu'on est il prend décision c'est là après rapport li joine qui soutient la direction départementale éducation la Tibonite là qui confirme zak violence grave ça lui-même qui te fait là sur un élève en dedans l'école là élève ça lui-même dans classe secondaire D et bien zak ça lui-même l'été passé dans journée qui était lundi 20 mai 2024 qui était sous passé là comportement directeur ça presque pas respecté aucun principe dans affaire l'école ni ça qui dit sous règlement légal sous interdiction châtiment corporel en dedans l'école d'après ça nous lit dans communiqué et bien ministère santé ministère éducation nationale pardon te mette de yo à ministère a dit puis devant il prend l'autre disposition pour bailler timon ça encadrement psychologique qui nécessaire pour éviter tout dégât dans parcours académique le ministère a mandé tout si tout parent yo pour yo même yo
rete vigilant yon façon pour kwape zak violence en dedans l'école yo li mete deux numéros disponibles ou capable rele et bien si ou ta remarqué yon zak comme ça malhonnête k'ap fait sou ti moun numéro yo nous capable di yo pou tande c'est 31 26 75 19 47 20 43 75 c'est numéro ça que ministère mete d'ailleurs sou ta croisé moun ap fait violence ça ou bien ou capable prendre téléphone ou taper numéro ça et bien ou même ou parler directement avec ministère n'ap rapplo nan yon zak comme ça li te produit nan Nord-Est pays d'Haïti côté ministère te suspend permis Anna Bel Joseph directeur l'école nationale Bitel Bethesda après lui-même li te fin fait zak violence comme ça sur yon élève l'école nan mois il s'est passé à là et bien pourquoi li la nèg pas réfléchi yon l'autre fois encore zak la li répété et bien côté ministère lui-même li sanctionné directeur l'école là tout qui était maspiné élève là et bien ça lui-même li déjà fait et bien moun yo commencé ouais pour yo pas fait ça nan effort k'ap fait pour garantir plus chaque jour bien-être scolaire et bien ministère lui-même li prend l'autre disposition pour bay ti moun ça encadrement pour capable gérer pour capable toujours aider yon façon pour zaké professeur l'école ça avec directeur lui-même yo ta fait sou li a pour pas ta malade li psychologiquement donc nèg yo même y oublié si pas nan tan longtemps les ti moun l'école wap marcher maspiné bay kou nan dernier jour sa yo la et bien ou pas capable maltraiter ti moun faut ou respecter droit ti moun yo si tout yo même les wap apprendre l'école nèg yo pas attendre yo pas wè y a maspiné élève et bien ministère li même la retirer licence nèg yo sans réfléchir. Opération police nationale dans Pomago des bandits tombé plusieurs armes avec cartouches yo même yo saisi dans opération Silla et bien 18 mai 2024 là dans soirée des nègres armes qui étaient sous moto tombé pendant yo te croisé bab pour bab avec la police dans Pomago pendant un contrôle sur route là dans zone Pescaï li même qui c'est section communale là dans zone Pomago pendant affrontement ça des suspects yo même yo qui était blessé mortellement dans boucante coup de balle avec force l'audio gagnon l'autre tout qui rivé sauvé d'après responsable institution en si des la police récupéré des armes parmi yo un pistolet 9 mm avec 10 cartouches là-dedans et puis un revolver 38 avec 4 cartouches les mêmes plus dédouille yo même qui était dans main individu ça yo qui t'a tombé d'après PNH là et bien Ricardo Préville alias Cadeau 32 l'année avec Saint-Hilbert ainsi qu'Oni et bien c'est des présumés bandits qui t'est tombé yo et bien Renal là Kaoubel li même c'est non ça qui t'est arrivé sauvé pendant affrontement c'est là individu ça yo c'est membre non yon gang qui Renal Kaouba a dirigé li même qui a fonctionné dans Pomago yo spécialisé dans touye moun vol viol avec association malfaite sorti janvier pour arriver dans mois mai 2024 là qui nous ekounya là individu ça yo même yo ta déjà touye pour pipiti 4 moun nan population d'après ça force l'autre yo même yo fait konnen yo gagne tout sous dou yo yon accusation comme moun qui t'a imposé loi pa yon lot nan commune Pomago qui pat gen commissariat depuis quelque temps qui était sous passé à l'autre information toujours et bien c'est gros danger qui gang griffé yo même yo menacé démoli par les 365 portes là et bien bandi a gros âme ça yo qui identifié comme membre gang grand griffé yo menacé pour détruire par les 365 portes là qui trouvé dans commune Tirivière la Tibonite qui c'est Bétide Horace les même qui c'est porte-parole commission dialogue réconciliation avec conscientisation pour sauver la Tibonite les mêmes qui tape intervenir dans émission micro vérité sur radio télé éclair et bien li attire attention autorité concernée avec société à sous menace si la parler 365 porte là c'est cible gang griffio yo clé que yo même yo veulent détruire commissariat parler 365 porte là avec complexe administratif là et bien yo paye pour force mission multinationale qui n'y a pas à servir à espace ça yo pour yo attaquer yo selon sa porte-parole là les mêmes qui c'est Bétide Horace les mêmes il fait connait d'après citoyen et bien opération qui visait démolir commissariat a commencé depuis les policiers eux-mêmes qui étaient dans espace là dans Tirivière étaient mouri dans date qui était 25 janvier 2023 qui était passé à là une attaque qui était la cause que 5 idmo n'a parlé de 5 policiers idmo eux-mêmes ont été assassinés dans zone Liancoua et bien commission dialogue réconciliation
question avec conscientisation pour sauver la Tibonite là lui-même lui conscient que gros danger qui a pesé sur site historique ça lui-même lui déjà tamé yon chita parler avec plaisir organisation société civile ensemble avec autorité locale pour joindre une solution et puis pour protéger parler 365 porte ça et bien qui se on parler monument historique qui est en banta et bien nèg ça yo visé pour t'al prendre n'a rappelou parler Belle Rivière les mêmes nous connaissons sous nos palais 365 porte là et les trouville dans ti rivière la Tibonite il était servi comme résident pour roi Henri Christophe et bien roi pays d'Haïti dans les Haïti qui donc nèg yo pas suspend visé pour y écraser nèg yo paye tout pour les ça même yo pas tal servi force yo yo même côté pour t'apprendre abri pour attaquer qui donc nèg yo même yo penser y a fait tout temps sous la terre ou bien y a fait tout temps pour y a fait peuple a fait ça ou les depuis suspect qu'a gagne une route qui capable paraître danger pour yo même yo prêt pour yo attaquer une façon pour yo protéger tête yo il en a regardé matériel yo qui continue à rentrer pour préparatif qu'a fait pour force mission multinationale là pendant journée hier mardi 21 mai 2024 là divers gros matériel rentrer dans pays a parmi yo yon blindé malgré ça en pile haïtien toujours été très sceptif yo même souvenir soldat yo en Haïti ni sous efficacité mission ça mon yo même yo quoi et bien soit force là a venir vrai mais s'il est pas venir et bien ça pas en insérie qui yo même yo capable venir régler sinon d'après déclaration les de Voltaire fin fait connait que c'est police nationale qui pral gain pour tout bandi si bandi pas attaquer force là il pas fait rien mais en pile matériel yo même yo pas suspend rentrer dans capitale pays d'Haïti et bien dans dossier qui est pour avec dossier force mission multinationale là qui t'a doit arriver dans pays d'Haïti qui donc nous était là n'a suivre n'a brancher pour nous comment ça y nous espérer que vous venez faire bon travail il y a bon matériel blindé qui va rentrer là qui est capable et bien mettre l'autre dans des ordres ça nous pas jamais gagner dans temps avant mais nous pour connait comment ça va aller Guatemala a fait face avec une situation compliquée avec à plus de 75 gros défis qui éclaté ou bien qui actif dans pays si la président Guatemala n'a parlé de Bernardo Arevalo lui-même de Leon Assiri qui a hier mardi à la que pays lui-même l'a fait face avec une situation qui vraiment compliquée avec 75 défis qui étaient actifs puis faut là-dedans eux-mêmes c'est dans nos territoires d'après même sous cela catégorie ça lui-même lui mettait accent sur qui et bien carbon Jean qualité l'elka considéré comme yon condition urgence et puis tout les préciser que toute la population a même yo gen gros chance pour affecter qui donc d'après sous ça état origine contamination ça lui même c'est divers différents local mais tout régional en plus pays on dira tout affecté par situation c'est la différence ça yo même l'autant de gen gros incendie ça yo même et bien yo ba en pile problème yo pas été facile il est tombé boulé y a boulé aller net si tout quelque soit côté où il y a pas trop cherche et bien même avant ou rivé ou déjà chercher là avec gros vent l'âme di fier cap vini ou même pour capable passer plus rapide dossier Donald Trump dans pays les États-Unis et bien pour ces criminels Trump là li presque rivé dans bout li là d'après journal AP et bien pour ces criminels ça dans New York contre Donald Trump le premier pour ces ça les même contre un président dans pays États-Unis il t'a marché vite pour le capable fini côté un avocat dit li indiqué avant elle indiqué sur passé avec Trump pas pour là dans carré témoin pour défendre l'athlète li parti accusation l'idée a fini avec 10 positions lui-même dans 6e semaine procès après jury 12 membres là lui-même il était fin passer plusieurs heures de temps attendre témoin qui plus important l'IA et bien en parlant des avocats qui était connu préparé Eric Chopio lui-même qui c'est Michel Cohen et bien Cohen lui-même il reconnaît pendant 4 jours témoignage que lui-même il était connu bail menti une après l'autre qui il était fait ou bien il était volé $60,000 dans l'argent compagnie la vente bâtition Trump là et bien Cohen accusé Trump tout dans entente qui t'a gagné entre accusation contre ancien président lui-même qui c'est ça $30,000 qui lui-même il t'a payé Cohen pour t'a acheter silence vedette film pour nous on a parlé de Stormy Daniel lui-même il y a un titan avant élection 2016 qui était sous passé là il y a un titan après Cohen t'a fini témoigner et bien défense Trump là il t'a relé Robert Castet
Castello yon avocat New York li même pou te bay témoignage supposé comme quoi moun n'a pas ka mete confiance dans déclaration Cohen. Et bien pourquoi elle là Donald Trump qui sou pour procès là li même li ta fini. Et bien est-ce que ancien président libéral libre de toute accusation nous pou pou là. Visite président Kenya nan Washington et bien président pays Kenya William Ruto qui a visité tout Washington et bien journée jeudi k'ap vini là yon visite d'état qui parfait facile et qui signifie tout yon bagaille nan moment Nairobi li même qui c'est bon Jean partner Washington nan l'Afrique et bien la pare pour voyer policier en Haïti pour diriger yon force mission multinationale et bien qui vraiment délicat États-Unis Paris se voit yon leader africain nan yon visite d'état qui c'est visite nan niveau qui pirou nan kada protocole diplomatique là depuis après visite président pays Ghana n'a parlé de John kou fol li même qui était fait depuis en 2008 à pile temps voyage ça li même qui était annoncé dans mois février était supposé fait dans même temps avec un déploiement en Haïti premier tout pays même qui a sorti dans pays Kenya pour dans cadre force mission multinationale qui était visé rétablir l'ordre dans pays Caraïbes là qui violence gang yo même yo déjà fin ravager voyage là tout qui était déjà annoncé le 7 depuis dans mois février et bien il revient fait avec plusieurs mois négociation Nairobi était d'accord prend tête mission ça lui-même qui recevoir autorisation conseil sécurité Nations Unies dans mois d'octobre 2023 qui est passé là et puis qui était joint tout un support Washington pour finance avec transport pendant États-Unis pas voulu voyer force pour accompagner mission si la gouvernement kenyan lui-même lui fait silence sur déploiement force ça qui était provoqué critique et qui a fait face avec un gros défi légal dans le pays Kenya. Pour premier pas qui fait tout policier Kenya ta doué débarquer dans Zilia semaine ça la même d'après ça quelque sous sécurité a li même l'été du journal AFP et bien l'armée américaine t'a annoncé dans date qui était 7 mai que li même l'état déjà voué contracté civil équipement avec matériel dans aéroport international la Toussaint Louverture là qui trouvé dans Port-au-Prince pour préparer arriver force là et bien pendant li en bas critique oui tout li même qui a fait effort pour poser Kenya sous scène internationale la défendre ça lui même lire les mission humanitaire dans un pays et bien d'après ça lui même lui dit que colonialiste même yoté ravagé voyage lié lui même c'est pral yon opportunité pour adresser difficulté qui était toujours sous question financement fossile là pour le dossier Cobla et bien il pas jamais suspend parler dans dossier qui gain pour avec mission multinationale là et bien président qui quoi lié là lui même l'idée dans pays là et bien il pral chita parler avec Biden et information fait qu'on est tout lié par l'idée si pour que lui même lié pour te bail pays ta pays Ukraine. Bon, qui a dit aide libre albaï, nous pas connaît là aussi qui sont gros points même qui a mis bagay dans mes Ukraine. Eh bien, président Kenya a même dit parler sous zone qui est pour avec dossier si là. Pendant journée là, eh bien, un gros SOS toujours qui a lancé côté autorité ou même la question météo en pays d'Haïti mandé pour population a même li prend en pile précaution parce qu'il y a un gros mauvais temps qui pas cyclone mais qui a baillé en pile gros la pluie qui capable la cause gagner inondation avec déboulonnaité et bien la rivière cap descend et la trier pendant journée 21 pour 22 et puis peut-être 23 mai 2024 tout comme ça population elle-même li doit très rester vigilant dans département qui a plus touché aussi nord la Tibonite l'ouest mais tout côté a besoin tipayo selon ça et bien information fait qu'on est l'autre côté encore gagner un gang dans mina pilate dans nos pays d'Haïti et bien lui même qui relie pas sous ça et bien qui kidnappé dans un tibis qui fait trajet au cap pilate avec plusieurs responsables l'école avec l'autre monde qui était dans tibis là ça passé hier 21 mai 2024 là parmi yo gagne maître Camoens Doville qui donc n'a parlé de Camoens Doville qui c'est un directeur l'école nationale pilate là et bien lui même qui nommé bandi au sans côté administrateur institution classique Henri Kasik Henri Ravise yo même yo mande $50,000 américains pour yo la gè moun sa yo avec tout timis la pilata pour y en bagang et bien quelques autres communes nan noa li même qui gagne gang tout
c'est un pile moun et bien qui était dans militant sa politique ou bien dans volété avec un gros chabrak qui la cause création gang ça majorité côté gang yo créé et bien c'est dossier politique là avec dossier les nèg yo même il a fait des actes ça il a volété yo amen moun pour moun assurer sécurité bien sortant de là li facile pour tandis gang yo même yo rivé créé. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et pour ça vous aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter le pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté te abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou abonner ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.